Monsieur Alassane Draman Ouattara, j'ai le sentiment que c'est un homme qui ne sait pas pourquoi il est venu au monde. Parce qu'à son âge, un homme qui a accumulé des richesses comme lui, qu'est-ce qu'il cherche encore? Pourquoi prendrait-il plaisir à faire torturer un peuple, à humilier un peuple? Pourquoi aurait-il besoin, Alassane Ouattara, d'organiser une autre guerre civile en Côte d'Ivoire, comme il est en train de le faire? Alassane Ouattara a mis la Côte d'Ivoire actuellement en situation. La Côte d'Ivoire est actuellement dans une situation de guerre civile, non déclarée. On enlève des gens en prison. On utilise des individus encagoulés pour entrer dans des sièges de mouvements politiques, de partis politiques. On invente des faux complots. Mais nous sommes en pré-guerre civile. Alassane Draman Ouattara a projeté la Côte d'Ivoire dans une pré-guerre civile actuellement. Et nous, qui sommes des analystes politiques, quand nous le disons, on nous envoie des reptiles là, les individus reptiliens, c'est-à-dire les individus qui ne réfléchissent pas et qui répètent bêtement ce qu'Alassane Draman Ouattara dit au moment T, ces individus, on nous les envoie. Un peu de respect pour nous, envoyez-nous des gens qui peuvent donc assumer, ne serait-ce que un peu de pensée critique. On m'envoie des gens du menu frétin. Je fais un clin d'œil comme ça, ils ont déjà disparu. Je fais comme ça, ils sont plus là. C'est ça qu'on nous envoie. Donc au RHDP, il n'y a rien ni personne. On nous envoie Touré Mamadou. Un individu qui ne s'est pas accordé l'accord du participe passé avec le nombre du sujet. On l'envoie sur France 24 représenter la Côte d'Ivoire. Porte-parole du gouvernement ivoirien. On nous envoie à Djoumani. Monsieur y compris. On nous envoie des gens comme Kandia Camara. Une demi-inculte à la tête de l'éducation nationale d'un grand pays comme la Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara, on vous a fait quoi? Pourquoi vous n'arrêtez pas les frères? Pourquoi vous n'arrêtez pas le massacre de l'âme de la Côte d'Ivoire?